Alors aujourd'hui, c'est poulet, légumes, mais sans sel. Et surveille-la parce qu'elle en rajoute toujours en douce. Je peux aller l'embrasser quand même? Tout à l'heure. Tiens, dis-moi pour les radios. Ouais. Une bonne morflée, là. Tu peux pas m'aider à lui trouver une place dans un hôpital? Même dans un couloir, n'importe où, en province, si c'est possible. Je pourrais la faire entrer à Rothschild, mais il faudrait au moins qu'elle se casse une jambe. Tu crois? Alors moi, je restais toute seule. Écoute, tout est là, il faut que je file. T'es vraiment l'amour de cousin. Tiens, j'ai envie de te rouler une pelle. Mais ça va travailler, va. Mais si, tu sais, c'est de long, je rêve depuis toujours. Tu sais très bien que je supporte pas qu'un mec me touche, pourquoi tu fais ça? Pour me faire chier? Je mettrai ta photo en grand sur ma pochette de disque. Ouais. Simon, fais gaffe quand même. Elle a le cœur très fatigué. Simon, viens vite! Vite! Oui, c'est Rosalie. Chut. Actuellement, j'habite à New York, mais je me suis toujours sentie parisienne. J'adore Paris. J'ai vécu beaucoup de choses ici. Comme tout ce qu'on vit à Paris, en fait. J'ai vécu des histoires à la fois romantiques. Tu vas aller la voir? Moi, c'est un petit peu... Je déteste le violon sur le toit. Mais avec un regard différent, je pense. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais très naïve. Je croyais que la vie, c'était une comédie musicale. Elle n'a pas eu de fièvre. Elle mange bien, elle dort très bien. 10h le soir, 7h le matin. Mais bon, elle a encore un peu mal. En tous les cas, 13-7, c'est impeccable. Elle prend bien ses médicaments, ça va? Ça, faites-moi confiance. Comment elle va? Très bien. Apparemment, t'as trouvé une paire. C'est vrai bien qu'il pleuve. Vachement bien. Elle vient d'où? Algérie. Ah, c'est une religieuse. Ah, je sais pas, demande-lui. Pourquoi elle te plaît? Dites-moi, docteur, j'arrive pas à trouver du pain sans sel dans le quartier. Elle aime pas les biscottes et je trouve ça un peu triste en repassant pas. Je peux lui en donner un peu quand même? Bien sûr, un petit peu quand même. Vous voulez du café? Avec plaisir. Comment va ta femme? Et la tienne? Tu la vois ce soir? C'est bien ce soir sa première. J'ai rien à me mettre. Vous voulez du sucre? Bien sûr, oui. Mazel tov! Un portable. Tu peux me le filer? Et la 24 sur 24, elle dort ici, elle est débordée. Allez, 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 tu me dois bien ça. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Habiba, qu'est-ce que vous en pensez? Il a un fils. Et il veut pas le voir. Il le verra, Inch'Allah. Inch'Allah. T'as même pas envie de savoir à quoi il ressemble. À quoi ça servirait? Eh ben, te rendre un peu moins con, ça serait déjà pas mal. D'accord. Alors, on va se tomber dans les bras, on va s'embrasser, on va pleurer. C'est trop tard. Une fois j'ai le droit de voir mon fils, une fois j'ai pas le droit de le voir. Qu'est-ce que je suis là-dedans, moi? Asbab. Habiba, vous avez l'air de très bien connaître la culture juive. Vous n'êtes pas juste une infirmière, hein? Vous êtes beaucoup plus que ça. Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai pas l'habitude de faire ça d'habitude. Mais là, je sais pas pourquoi vous me rendez fou. Très envie de vous. J'arrive pas à pleurer. Je suis presque soulagé, c'est bizarre. Je me suis préparé à ça toute ma vie, mais j'ai l'impression que ça se passe pas du tout comme j'imagine. C'est grave, docteur. Excuse-moi. Hein. C'est fort.
la connais ?